Bonjour à tous et à toutes, donc nous voici pour la suite des aventures sur Immortal Phoenix Rising, donc le DLC, les dieux perdus. Surtout n'hésitez pas à liker, à vous abonner, que ce soit sur ma chaîne Twitch XXNoctali21XX ou sur ma chaîne YouTube Noctali21. Et on est reparti pour l'aventure. Ouais, après ça va, ils nous donnent des figues juste à côté, on peut quand même sauvegarder assez souvent. Réparer la machine de dalles dans la partie orientale du foyer. Ok, alors attendez, que je reprenne un peu les boutons. Parce que entre Kirby, Hogwarts Legacy, je me perds un peu mon latin. Des fois c'est... on pouvait pas monter plus haut parce que je pense que nous n'avons pas les capacités pour. Je sais pas, je crois que ce jeu, enfin ce DLC, je vais beaucoup moins l'apprécier. Bon, on va le faire quand même. Ah bah génial, vas-y, allez. Ouh, ça va les champignons, comme on m'avait dit là. Ah oui, c'est des poteaux pour dire ah oui, c'est pour aller de tel endroit. Je déteste cette vision. Pourquoi ils l'ont pas laissé derrière plutôt que de l'avoir mis là? Attendez, est-ce qu'on va se reprendre des... Non, c'est bon. Alors, c'est parti. Hop, l'hôtel. Eh bien, on est loin de la flamme de Prométhée, mais cette braise devrait faire une bonne offrande. Dieu, s'il vous plaît, veillez sur moi. Alors, ils disent pour faire donc un miracle, il nous faut donc la pierre de lave là, que j'ai eue. Offrir une braise enflammée provenant du foyer et d'autres ressources permet d'amener Héphaïstos à réparer les plateformes. Donc j'ai les yeux, j'ai ça. Par contre, le truc là pour avoir la braise enflammée, là j'ai aucune idée de comment je l'ai obtenu. Je pense que c'est Athéna qui nous l'avait donné, si je me souviens bien. Allons-y. Noble Héphaïstos! Cette braise enflammée est un symbole de ta... brûlante créativité? Un truc comme ça? Je te demande humblement, émérite artisan, de réparer les inventions de Dédale. S'il te plaît. Est-ce qu'il les a tous réparés ou est-ce qu'il les a réparés juste pour ici? C'est ce que je me demande. Parlez à Athéna. Enfin, Chouetena plutôt. Hein. Et toi, petite amie. Bel atterrissage. Bienvenue dans le sillon. Le paradis agricole de Déméter. Une espèce de fouillis végétal, en somme. Tu crois qu'Estia et Déméter sont ici? Je l'espère, en tout cas. Estia est l'incarnation de l'esprit casanier. Elle reste chez elle à s'occuper d'entretenir le feu. Mais je m'inquiète pour elle. Si elle est passée par ici, Déméter le saura. Car Déméter est... très minutieuse. Dépêchons-nous avant qu'il te pousse des feuilles à toi aussi. Que veux-tu savoir? Ah bon, il va y avoir des feuilles qui vont me pousser dessus. Que peut me dire sur cette région? Voici le sillon. Un lieu de pousse, de récolte et de repousse. La spécialité de Déméter, c'est le cycle bien ordonné de la nature apprivoisée. Mais... on dirait qu'elle s'est laissée un peu déborder. Que peux-tu me dire sur Déméter? Déméter est la déesse des récoltes. Son domaine, c'est la terre et l'agriculture. La pousse, la vie, la moisson, la mort, la repousse, ça ne s'arrête jamais. C'est une maniaque des plantes, en somme. Et elle est très à cheval sur le bon déroulement du... Mince.
Déméter est la déesse des récoltes. Sur le bon déroulement du cycle. Son domaine, c'est la terre et l'agriculture. Ce foisonnement. La, pousse, la vie, la moisson, la mort. Et la par conséquent, on entend plus de tonnes. Ok, d'accord. Qu'est-ce que je dois faire? Déméter est épuisante, mais il faut reconnaître qu'elle est douée. Il va falloir la convaincre de regagner l'Olympe. Et il reste à trouver Estia. Alors, tant que tu es là, essaie de faire d'une pierre deux coups. Mais quitte à jeter des pierres, tâche de ne pas faire de victimes chez les oiseaux. Pas besoin d'informations, elle a trouvé ses déesses. Bon. Amuse-toi bien à creuser par ici. J'espère que tu récolteras des réponses. Et essaie de faire germer chez Déméter l'idée de... Bon, tu sais quoi? J'en ai assez, des jeux de mots agricoles. Tiens, prends ceci et rends-toi utile plutôt. Tu m'as donné quoi comme pouvoir? Oh, nickel. Je vais en avoir besoin. Ouais, d'accord. Message de bienvenue de Déméter. Toutes les choses ont une saison et un ordre. La vie et la mort, la pousse et la moisson. Je voudrais bien pouvoir le relire. Merci. Enfin bref, j'adore, tu sais, le truc qui reste pas assez longtemps. Enfin, de toute façon, ce que vous ferez, c'est mettre sur pause. Hein. Voilà, tiens Déméter, je t'ai fait un petit peu de... comment dire, de coupe. J'ai coupé un petit peu. Par là. Plutôt de l'autre côté. Alors. Allez, cherchons... Oh, encore des ennemis. Cherchons Déméter. J'allais dire Estia, mais non, là c'est Déméter. Oui, j'arrive les enfants. Méchant. Donc la zone de quête, elle est par là. Elle dit de creuser. Ouais, bah après elle a fait des jeux de mots, mais peut-être que... Non, bah c'est par là, alors. Un truc là. Non, faut monter. Ah bah là voilà. Bonjour Déméter. Oh, calme-toi Déméter, m'agresse pas s'il te plaît. Oh, tu dois être Déméter. Je m'appelle Ash et Phoenix m'a envoyé pour... Oui, j'imagine que la chouette qui a semé toutes ces saletés de plumes sur mes terres est Athéna et que cette horrible petite chef t'a demandé de me convaincre de rentrer. Dis-toi que même si j'en avais envie, j'ai beaucoup trop de travail. Alors va dire à tes amis de l'Olympe de me laisser tranquille. C'est compris? Parfait. Pourquoi as-tu beaucoup de travail? Je peux t'aider peut-être? Tu... Quoi? Tu veux m'aider? Il faut vraiment que je te parle. Mais je ne peux pas obliger une déesse à m'écouter. Si je t'aide, m'accorderas-tu un moment? Ce n'est pas l'attitude à laquelle je m'attendais de la part d'une envoyée d'Athéna. D'accord. Parfait. J'aurais besoin d'eau de vie venant du haut de la falaise. Mais seulement la plus pure qui vient de tout en haut. Je suis nulle en escalade. Ah bah voilà, une mortelle propose de m'aider et ensuite il n'y a plus personne. Grosse surprise. Tiens, je veux bien t'offrir le don de l'escalade si ça peut me débarrasser de toi. Je sais que Déméter a toujours été une... Hein? Mais là, à ce point... Tu m'aides vraiment, je t'écouterai. Mais au-delà de ça, je ne te promets rien, car j'ai du travail. Apporte l'eau à mon sanctuaire et nous discuterons. Un peu, disons une seconde. Bon, allez, au revoir.
Une tarte, ouais. Purée de Déméter. Waouh, je n'ai même pas eu le temps de demander pour Estia. Eh oui, du Déméter tout craché. La déesse du pénible. Et de l'agriculture et des récoltes bien organisées. Mais bon, cet endroit n'a rien d'organisé. Je confirme. Un peu au secours, c'est pas très bien rangé tout ça. Je comprends qu'elle a du travail. Bon. Ben, on va pouvoir escalader maintenant. Ça c'est cool. Dieu, s'il vous plaît, veillez sur moi. Ok, c'est un coffre qui est dans le poison. Voilà, on peut pas l'avoir. Merci beaucoup. Ouais, en gros, je... Il y a combien de trucs en fait que je vais débloquer et que je vais pas pouvoir en fait avancer parce que je vais être bloqué de partout. Ça va me... Je déteste ça. De l'autre côté, j'ai entendu qu'il y avait des piti-piaf. Et là, nous avons du monde. C'est parti. Calme. Ça va, depuis que j'ai amélioré quand même mon arme et tout ça, ça va mieux. Ça... C'est automatiquement, c'est cool. Ah, tout petit. What? Attends. Les ennemis bleus? Je connaissais pas ces ennemis bleus. Hey! Le rouge n'est plus. Pourquoi ce truc là qui se déplace là sous terre, hein? Pourquoi ce truc là qui se déplace sous terre, hein? Calme-toi toi aussi là. Et donc t'en as mis du temps à sortir de ce toit là. Oh. Et reviens là, purée. Ah, oh, purée. Et l'ennemi qui voulait pas sortir du sol, tu sais. Le truc trop relou. Bon, je peux monter. Ok, je peux pas aller plus vite que ça. Oh, il y a des sangliers là-bas. Je peux pas nager comme je souhaite dans ce jeu. Ouais, c'est ça. Je sais pas nager dans le jeu. Enfin, pour l'instant. Donc, faut que je saute et bien. Alors, attends. Hop. Ouais, ils sont sympathiques, ils nous ont mis ce qu'il faut pour remonter. Pour ça, quoi, j'ai fait une noyée pour ce truc là, vraiment.
purée. Je regarde un peu ce qu'il y a, hein, quand même. Alors, comment tu as fait pour l'unité ? Eh bien, comme j'ai uni les dieux pendant mes épreuves, Zeus s'est dit que ça m'irait bien. Si je pouvais choisir, j'aimerais être la déesse des siestes. Tu sais, Hypnos est déjà le dieu du sommeil. Les siestes, c'est pas pareil. C'est différent. C'est quoi ce truc là avec l'eau là? Oh, le meilleur ami de Poséidon là. Ah. Ok. C'est carapaté. Ah, ça se ramasse. Une coquille. Ok. Oui, oui, je visite un petit peu. Et après, je vais aller chercher. On en trouve sur un météore dans la partie orientale de la contrée. Des graines? Elle m'a demandé de l'eau. Dieu, s'il vous plaît, veillez sur moi. Voilà, je voulais. Faire au moins l'hôtel. Voilà. La forge d'Héphaïstos. On peut d'ici améliorer. Oh, on n'est pas obligé d'être sur un hôtel pour améliorer. T'es cool. nous avons quoi ici Ouais, alors personnellement, vu que j'ai pas encore beaucoup d'œil de cyclope, je vais pas les utiliser à tout va. Par contre, ouais, j'aimerais faire ça. Et là, ouais, je pouvais pas encore pour Poséidon. Et Hadès, il m'a juste parlé, il m'a donné un pouvoir, il m'a dit ouais, bon, c'est mauvais. Et tu fais ok, d'accord. Est-ce que j'ai le droit d'aller chercher le trésor qui est juste là? Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je peux surtout? Ça ne marche pas pour l'instant. Voilà, allez, c'est parti. Je me tire parce que de toute façon, voilà, il faut des offrandes aux dieux. Ah oh, purée, vraiment. Par contre, comment je remonte? Sans me casser la binette. Ouais, ça va être compliqué. Le problème, c'est que si je tombe dans l'eau, c'est pas ça qui va m'aider à remonter. Lâche. J'ai trouvé. Voilà. On va souffler. Voilà. C'est bon. Bon, bah voilà, vous avez vu, hein. Voilà, faut des offrandes aux dieux. Tiens, d'ailleurs, je peux pas encore faire une offrande aux dieux pour débloquer ce truc. Non, je dois pas encore faire ça, c'est ça. Non, je peux pas. Voilà, c'est... Ah purée, le truc de... Non, pour l'instant, t'as pas le droit. J'adore. Bon, allez. On va aller là-bas, hein. De toute façon. Il n'y a que cet endroit pour...
pour... est-ce que tu... Oui, tu grimpes sur les pots de cailloux. Hop là. De toute façon, hein, je ramasse tout ce que je peux. C'est vrai qu'à Dada, on peut... il y ramasse... Ouais, non, par contre, les olives, malheureusement... Ça, tu ramasses pas tout seul. Il faut couper avant. Ah, attendez. Ça, je peux, par contre. Après, c'est bon. Ah oui, là-bas. Ouais, bah, je m'en doutais. J'ai mis trop de temps, mais c'était... Au moins, je sais ce qu'il faut faire maintenant. Enfin, un petit peu près, là. Tac. Hop. Tac. Tac. Hop. Ah, je suis vraiment pas assez haute. Ok, elle veut pas viser le... Oh, mais c'est de la mouise, en plus elle veut pas le viser, quoi. S'il te plaît. Oh, purée. Elle voulait pas le viser, non mais vraiment. Le truc, elle a fait gna... Gauche, droite, gauche, droite. Vous avez bien vu. Là, je fais que viser. Voilà, je fais rien d'autre. Voilà, je vise et je tire. Voilà. Allez. Hop. Tac. Tac. Voilà. Un petit peu de... De savoir-faire. une lame de des récoltes. Ah. Une lame des récoltes. Ça fait quoi? Trop de jeu. Une lame des récoltes. Elle fait séisme, donc elle fait vol de vie. Et celle-là a fait probabilité de critique. Manieuse H et esquive rapide. Elle a fait épéiste, puissance héroïque et vol de vie. Ouais, très jolie en plus. Moi j'aime bien aussi celle-là, parce qu'elle fait probabilité de critique. Ouais, je sais quoi, hop. Trop de trucs, trop d'offrandes, pas assez de matériaux. Ah. Je t'avais pas vu, toi. Désolé, Shadow. Oui, Shadow. Ouais. Ah là, c'est celle-là que j'avais entendue, je crois, comme bestiole, non? Non, c'est des animaux, ça. Allez, bonjour les enfants, je suis de retour. Voilà, une petite corne, merci. Naissance d'air. Oui, d'ailleurs, il faudrait vraiment que je me penche là-dessus là, pour que je puisse améliorer tout ça. Là. Donc, on était ici avec Déméter. On peut pas aller chercher le coffre parce que poison, poison. Et donc, faut trouver. On en trouve sur un météore. Ok. Oui, j'arrive. Ah, c'est une bleue, ça. Le marteau n'avait pas manqué. La la la. Ça va, là. Je t'embête pas, surtout. Yeah.
donc j'ai amélioré mon combo à la hache. Bon, zut, voilà, ça te va. Trop tôt. Et les ennemis, ils se prennent zéro dégâts, tu vois. Respire un peu. Oh, et purée, il y a un coq, quoi. Non, mais vraiment. Hop. Et puis les mobs, ils te lâchent zéro, quoi, en plus. Hein. J'ai pas de potion, j'ai rien. Oh purée. Mais je vois rien avec cette caméra aussi. Ah purée. Bon. Le fait que j'étais facilité pour les rouges, là je vais devoir améliorer quand même avec Hephaistos. Hein. J'ai trouvé une épée. Par contre, ça va m'emmener où? À l'autre bout. Est-ce que je... Pff, ouais, mais lâche, mais je l'utilise pas. Moi, je voulais améliorer l'épée. Là, ça aurait été mieux. Bon, allez, faut que je me dépêche, là, pour que je retourne là-bas. Les ennemis, tu les stun pas. J'aime bien, c'est que en fait t'as une hache pour donc les boucliers. Mais par contre le stun il n'existe pas. Allez go, on est reparti. Elle m'énerve cette caméra en plus, tu vois rien, mais purée, tu vois vraiment juste le bout de ton nez quoi. Je déteste cette caméra. Je sais pas si c'est un désir des développeurs d'avoir fait ça. Mais... Non mais descends-moi de ce cheval. Merci. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça, ils sont revenus là? Non. Ah non, c'est vrai, c'est la deuxième vague. Je voudrais esquiver. Wouh, merci. Voilà. Si, non, merci. Oh.
coup, bah ouais. Voilà, et voilà, le mec, tu sais, il donne des coups de hache. Oh, c'est rien du tout. Là, je vais améliorer ma hache, je confirme en fait. Je vais en avoir besoin. À chaque fois, je vais me louper. Ah non, c'est vraiment quand t'es à côté en fait que tu peux le faire. C'est quoi l'arc? Arc emprunté. Ah, j'aime bien, tu sais, le. Emprunter, c'est l'air de dire, ils te disent bien que attends, c'est pas ton équipement, c'est bien emprunté. Et non, je croyais qu'en fait tu pouvais changer et améliorer or, mais non, en fait, c'est seulement quand t'es à côté. Non, même pas, non, faut vraiment que tu en parles. Je sais pas pourquoi la dernière fois en fait ça m'a permis de faire ça. L'offrande, c'est quoi? Cette divinité doit regagner l'Olympe avant de recevoir votre offrande. Ah, bon, de toute façon, j'ai pas ce qu'il faut. Et je peux pas faire l'offrande. Enfin, je peux pas lui demander parce que de toute façon, elle est pas retournée sur l'Olympe, je voulais dire plutôt. Bien. Ma hache est améliorée. On va lui demander. Est-ce que ça va lui faire un petit peu plus? Voilà. Voilà, tu t'inquiètes. Tiens, n'énerve pas. Donc il doit avoir ouais. Un autre voilà. Voilà, déjà. Abusé. Vraiment, au moment où je pourrais faire des esquives, ça sera mieux. Voilà, la fille, de mon avis. Tiens, mon chat, là. I guess. Je pouvais pas faire les dents, même. Hein. Faut choisir. Voilà, allez vas-y, viens, je t'attends maintenant. C'était pas ça que j'ai fait. Voilà. C'est pas plutôt. Non, j'avais pas remis le fait de sauter avec l'arc. Avec l'arc. Avec l'épée. Oula. Ouais, j'ai l'arc dans la tête, je sais pas. Hop, allez, on grimpe. On clôt. On va aller la chercher. C'est l'eau dont t'as besoin, Déméter ? Oh, ridiculement pur. C'est pas étonnant que tout pousse bien par ici. Ah, j'aime bien le ridiculement pur. Ça me fait beaucoup marrer. Hop. Comment t'es-tu retrouvée toute seule dans ce temple? Quand ma maison a été détruite, le temple m'a recueillie. Et quand tout le monde l'a abandonnée, je m'y sentais bien, alors je suis restée. Oh, Ash. Et venez les enfants là. Ah, oui, non. Je peux pas. Ça, je veux. Taper les mobs. Ah,
cochon bleu là. J'avais pour lui. On se calme là, nounours. Bon alors, on va désherber un petit peu. Donc il nous dit un poids léger qui est là. Non, je veux pas le jeter en fait. Je veux juste le poser après. Enfin l'abandonner comme ils disent. J'adore le abandonner. Ah non, en fait il faut qu'il soit là-haut avant. Oh, ok. Alors, choupinou, viens. Voilà, merci. Est-ce que je peux t'avoir de là? Oui. Ok, je t'abandonne là. Comme ça, je peux avoir hop, les autres morceaux. Je peux en poser un là. Il n'y en a pas un deuxième ici, non. Alors, je pense que j'en aurai besoin pour l'autre, non? Parce qu'il m'a manqué un poids lourd. C'est juste qu'il est... c'était caché. Donc, si je le lance... Par contre, pour le lancer, je trouve que c'est beaucoup mieux. Là, on voit où on lance, en fait. Ah, mince, c'est un peu décalé. Voilà, ça va mieux. Bon, bah on avance. Enfin, je sais pas, là, j'ai l'impression d'avancer un petit peu quand même, là. Le fait de pouvoir enfin aider Déméter. Par contre, pour ouais, poser les dons, je suis un peu partie là, il faudrait que j'y retourne. C'est vrai que ça, c'est une petite offrande pour la... Sanctuaire de Déméter. Ok. Ça ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup à Aphrodite. Mais d'accord. Combien de coffres? Si on peut le savoir. On peut rien savoir, ça c'est génial. Pas tomber, ne pas tomber, ne pas tomber. Voilà. Heureusement qu'elle fait des bons sauts. Hein. Et elle a pas d'aile. Hein. C'est ce qu'il faut se dire. Elle dit mieux le point de sauvegarde là de dire ah, c'est bon, vous inquiétez pas. Vous n'aurez pas besoin de tout refaire. Au cas où si t'as perdu de la vie, une petite grenade. Bon, je le sens mal un petit peu quand même. Hein. Hein, si tu me dis. Sinon, salut à toi, Seraph. Donc, la suite. Il n'y a pas... Attends, c'est... Il n'y a pas... Non, non, c'est un labyrinthe. Oh, mon Dieu. C'est un labyrinthe, on est d'accord. Je peux passer par là? Non, c'est cassé. Même chez eux, ouais, je sais que c'était en construction et c'était pas fini, mais quand même, ils auraient pu finir les travaux, hein. Purée. Oh non. Voilà, vous sentez la douille. Hein. Pas rien avec la caméra. Il y a un autre mec. Voilà. Ouh. Aïe, si, 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 si. Non, c'est pas par là. Je vois rien. C'est horrible. Le pilote avec sa lance là qui prend 2 km là. Alors, calme-toi là. Ah.
pas évident tout ça. Top, 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 il y a un point de sauvegarde ici, il y a quelque chose à faire. Attends, on essaie des métères, faut faire un petit peu de coupe. Ah, c'était juste pour ça? Ok. Tiens, d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait un point sur la carte, c'était quoi qui nous donne un champignon. C'est ouais. J'aime. Non, t'inquiète, y a pas de souci. En même temps, je suis concentrée, tu sais, des fois, je lis pas tout le temps les messages au bon moment quand on me les envoie. Et je réponds 2 heures après, alors c'est pas non plus super sympathique. C'est juste que, vu que ce DLC ne m'emballe pas beaucoup, et voilà, je m'en doutais, c'est encore une. Un endroit pour faire la bagarre. Je suis pas trop pour ce DLC, donc j'aimerais me dépêcher de le finir. Wow, 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 yeah, ok. Allez, on va au bord de la mer aujourd'hui. Tant pis si je me fais toucher. Nickel. Voilà, on se calme. Je vois rien, les caméras, heureusement que je connais un peu plus rouge les ennemis. Ah oui, non, c'est pas là en fait qu'il faut que j'utilise H. C'est que ça va être que ça en fait, ça va être des pièces où je vais avoir du combat en fait. C'est pas drôle. J'aimerais un petit peu plus d'énigmes. Alors je sais pas, c'est ce que j'aime bien en fait dans le jeu, c'est les énigmes. Un peu à la perforasse quoi. Parce que si je joue le combat, ça va 2 minutes quoi. Bon. On s'ennuie. je sais pas. Non, c'est cassé là-bas de toute façon. On va à la suite. Encore une pièce à combat. Oh oui, ça c'est une pièce à combat. Ça c'est pour manger. Bon allez, de toute façon. J'en ai besoin. Allez, vas-y, ferme, je t'en prie. Alors 2 minutes. Voilà, merci. Wow. Un petit peu trop de monde, je trouve. Non, on va s'occuper à toi. Ouf. Non, t'as pas eu le temps de le faire. Je peux pas les esquiver ça. Ouais. Allez, vas-y. Je suis tout à toi. Je la vois même pas en fait, mon arc il arrive pas à la viser. Ok, c'est quoi par là? Ok, on saute, mais là-bas il y a aussi une pièce. Il y a aussi une pièce par là, là, non? Ah non, j'ai rien dit, c'était une pièce à combat, mais elle a été un petit peu détruite. Je pense que dans celle-là il n'y aura point de combat. Ah, mais précisez que je puisse courir là, purée! Enfin, vraiment faire de la course, pas juste. Voilà. Faut juste courir un tout petit peu là, comme ça. Faire un sprint. Bon, ça, j'ai pas besoin de manger, ce que je m'étais mis. Le fait de pouvoir reprendre de la santé en tuant les ennemis. D'ailleurs, il faudrait que je fasse ça aussi pour. Pour la stamina. Parce que la stamina, je l'utilise beaucoup. Vraiment. Allez, c'est reparti, vas-y.
Et lui par contre il se fait pas étourdir quand il appuie ses potes là là-bas là. C'était magnifique ça, ce petit rentré de bouclier. Ah tu m'empêches à donner des coups toi là. Voilà. Ah oh, bah, oh, bah c'est très gentil à toi de te mettre sous ma lame. Ah bah là c'était... J'ai beaucoup aimé. Ah bah on peut sauter là, je te mets pas obligé d'y passer en plus. Ouais mais ça fait des comment dire des composants pour que je puisse prier. Oh non, encore un combat. De toute façon ça va être que ça. What? Je tourne pas en rond là par hasard? Faut que je trouve des métères en fait. Si je tourne en rond. Non? Oui si si je tourne en rond, j'étais bien passé par là. Donc moi j'ai tout fait pour moi pour prendre les comment ça s'appelle les ressources. Alors Déméter elle est là. Elle est juste à côté. Je peux pas grimper, je peux pas couper. Attends, pour aller à la salle. J'essaie de voir un peu. Oui bah oui, ils t'interdisent de passer par dessus sinon ce serait trop facile. C'est juste que j'essaye de voir où je peux tourner pour pouvoir y aller. Que la mistinguette en plus elle s'est cachée. Par là, là, il n'y a pas une... Non, il n'y a pas d'entrée. Il y a quand même une lumière... Là-bas. Ça m'a l'air d'être le bon endroit. Par là, il n'y a rien. Il n'y a pas de coffre. Par contre, c'est des cadeaux. Oh, c'est bon, quoi. Je crois qu'il n'y a vraiment pas de coffre. C'est la dèche. Mais vraiment quoi. Un coffre. Tout petit coffre. Déjà que je peux même pas les ouvrir les autres parce qu'il faut que je prie les dieux pour avoir leur capacité. Ou même... purée, encore un combat. Allez, vas-y. Je t'en prie. Oh, je vais m'énerver pour les boucliers. Hein. Ah, je t'avais pas vu. Aïe. Aïe. Okay. Je voudrais juste te tuer toi parce que... Voilà. Oh, c'est pas fini mais évidemment. Alors attends, on va essayer plutôt de faire le menu frottin. Frottin. Oh. J'ai détruit. Non, merci, j'ai pas envie que tu m'écrases comme un vulgaire escargot. Voilà. Couché. Donc je suppose que... Ah. Mais purée, il fait... Ils font des faux espoirs. Là tu dis ouais c'est bon. Et attends, là c'est un endroit pour cacher un coffre. Hein. Rien. Non mais vraiment, réellement là. Je voudrais avancer sans être embêté là. Attends, deux minutes, viens là toi. Voilà. Mais si c'est pas par là, parce que si je me suis fait agresser, ça veut dire que c'est pas de ce côté là. T'es là-bas. Excuse-moi Déméter, je fais un petit peu la taille, tu vois, du printemps en ce moment, on en a besoin. Ah vas-y, je peux les stun là. What? Quoi?
ça, ça y était pas. Ah, 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 le champi-pi. J'ai dit champi. Champi. Je pouvais pas le collecter si je cassais pas l'arbre. Pour un champignon, ça. Ah, quoi, j'ai rien dit, ça peut pousser dans les arbres. Mais en général, quand même, le champignon que tu cueilles, il est à l'extérieur de l'arbre, il est pas à l'intérieur. Bon, je me rapproche de Déméter, encore une séance de combat, voilà, vas-y. Allez, plus vite. J'ai autre chose à faire. Aïe. Il y en a d'autres. Oh purée, alors là par contre... Aïe 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 aïe. Magnifique la caméra. Ah, c'était pas du tout là où j'allais. Mais... Non, 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 je voudrais le taper dessus. Oh, t'as beau rigoler, hein, je l'ai quand même pas réussi. Pas encore. Je sens qu'on approche de Déméter. Hein. Voilà, mais oui, ça rigole zéro là. Ah oui, ça rigole zéro. Quoi. Oh, 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 vite, vite, vite. Eh ouais, poison mon pote. Bon, à toi là, viens. Ah, trop. C'est bon, allez hop. Ah. J'aurais préféré mieux de la santé. Bah bon. Quoi, c'est pas fini là? Attends, je me suis tapé je sais pas combien de mobs. Attends, 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 attends. Non, c'est de là où je viens. Si je reviens sur mes pas, ça va pas le faire. Non, 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 c'est par là, par là. Voyons. Je sais que je suis nulle dans un labyrinthe, mais quand même. C'est bientôt fini, là, parce que... ça devient long, en fait. Ouais, ne pas aller là-bas, parce que je sens que je vais me taper un combat. Déméter, un jour, j'arriverai chez toi. Non, ça devient relou là, vraiment. Ah, mais en plus. Je tape un boss, vas-y, allez, je te dis à rien, surtout, vas-y, tape-moi, j'aime ça. Voilà, calme-toi, surtout là, le bovidé là. Naissance d'eau, ok. Waouh! D'accord! Oui, donc... bah allez-y, je vous dirai rien surtout. Le truc qui m'a one shot. Ça va, le jeu il t'a pas dit juste ferme-la et c'est bon. Ça. Vraiment, je ne vais pas abuser en plus qu'on me donne des coups. Et les ennemis, disparition totale. Parce que j'aimerais récupérer ma vie en fait. D'accord, ok, il n'y a plus d'ennemis. Voilà, reste couché là, c'est bien là. Mais évidemment, faut pas qu'il y reste trop longtemps parce que sinon ça serait pas du jeu.
C'est bon, c'est bon. Purée, c'est quoi ce jeu? Ça, c'est quoi ce DLC? J'en peux plus. Elle a fait quoi? Ouais, alors l'étourdissement, ça va plus. Les dégâts éclaboussants. Je sais plus ce que ça fait. Je sais plus du tout ce que ça fait. Dévastation des récoltes. Ah, c'est sympathique, c'est du... T'as ça chez Déméter, quoi. Non mais lol. Oula. Alors, bonjour. Alors attends, 2 minutes. Je sais ce que je vais faire pour mieux voir les messages. Sinon, bonjour à Catafol. Oui, je vais bien, sauf que le DLC, enfin le dernier DLC n'est pas vraiment très top pour ce que c'est. Enfin, bref. Pourquoi tu fais fuir Kata? D'accord, ok. Et bah, à toute Seraph. Ah, voilà, toc, ça va être mieux comme ça. Hop, voilà, on se remet bien. Quoique, non, en fait, j'aurais peut-être dû garder. Ou pas, attends, parce que celle-là a fait. Reconstitution, séisme catastrophique, archer, enchaînement de foudre, LCR, char, traction, parade. Punition, ouais, non, je préfère mieux en fait celle que je viens d'avoir. Ouais, le Brovin, le Torrible, c'est pas plutôt Bovin, le Torrible? Non, je pense qu'ils ont dû vouloir faire un jeu de mots. Oh, 5 cornes, bah dis donc. C'est sympathique. Miam. Déméter? J'ai remué ciel et terre? Non. Déméter quand même, s'il te plaît. Gnatit! Déméter, j'ai l'eau de vie que tu as demandé. Oh, tu peux la garder! Les plantes que je voulais arroser ont déjà été déterrées. Déterrées? Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? En principe, je contrôle chaque pouce de mon jardin, mais des plantes ont commencé à mourir, à disparaître! Des nuisibles les ont déterrées! Et c'est. Oh, c'est tellement. Je peux gérer, ça va aller. Merci d'être passé. Fiche le camp maintenant. Mais tu as dit que tu m'écouterais si je t'apportais de l'eau de vie. Et je le ferai, oui, dès que j'aurai terminé mon travail. Mais comme tout ce que je fais est défait, tu risques d'attendre longtemps. Je sais bien que tu es mortel, mais essaie de ne pas mourir de vieillesse en attendant, d'accord? Ça me fera une saleté de moins à nettoyer. Bon, on va examiner les dégâts. Ash, regarde l'état de ces fleurs. On dirait que quelque chose ne va pas dans ce jardin. Chef, tu n'as pas bien vu. Il n'y a rien du tout qui va dans ce jardin. Je veux dire qu'il se passe quelque chose de vraiment bizarre. Tu devrais jeter un coup d'œil. Ok. Bon, mais juste interagir, ça dit rien de plus. Hop. J'aime bien. Le dernier, c'était là-bas. Oh, ce n'est pas un simple vol de plantes.
C'est un vrai sabotage végétal. Oui. Oui, je vois. Tous les éléments se mettent en place maintenant. Ah bon? Tu veux dire que tu as tout compris? Pas du tout. Mais j'avais envie d'avoir l'air professionnel. Chercher les traces du saboteur. Et bien c'est parti. Une empreinte de pas qui a l'air humaine. Eh, je vais bien, mais la porte elle est pas ouverte en fait. Faut que je me retape. Tu peux pas m'ouvrir la porte, Demeter, s'il te plaît. Faut que je me retape tout de l'autre côté là. Vraiment, y a pas de porte que t'as ouverte là pour que je puisse. Purée de patate. Ah si, j'ai rien dit. Attends, y a un bouton. Y a un bouton là, pourquoi y aurait pas de bouton de l'autre côté? Non, c'est bon, y a un bouton. Oh non, dites-moi pas que je pense ce que je pense. Allez, c'est reparti. Vida la vida. Oh, vous m'agacez, dis donc. Ah, elle a couché. Faut pas faire là pour chercher celui qui a meurtri les plantes, enfin le jardin de Demeter là. Ok, j'avais déjà été là mais c'était pas par là. Bon, au moins la vue de dessus, elle aide quand même un petit peu à s'orienter, je dis pas l'inverse. Mais quand même, c'est relou. Par contre, on passe comment là? Ok, d'accord. Oui, mais non, en fait, parce que... Je reviens là, en fait. J'ai déjà fait ce côté-là, non? On est d'accord. Ça, c'est juste un raccourci pour qu'on se puisse... Non, non. Ici, j'avais déjà affronté, parce qu'il n'y a pas de mur qui apparaissent. Il faudrait passer par là pour être bien, mais... Toutou. Ah, j'avais pas vu le trou là. Oula. Attends, je saute mais je sais pas ce qu'il y a derrière en fait. Ah, nickel. Je peux ouvrir la porte. Voilà. Alors, donc le Mister, il est parti par là. Il est parti par là. Une bataille qui s'annonce. On peut pas laver chez elle là. Quand il meurt, il est pas mal. Bon, allez là! Sors de là, toi! Oh, on crache pas dessus là! Merci! En plus, je fais du poison là, Yark! Donc, après. Il est où? Les empreintes sont parties où? Je vois rien. Pourquoi il y a du brouillard là d'un coup? Ah. Traces de papates sont parties là-bas.
Encore un combat. Non. Non. Une nymphe ? Non, non. Tout va bien. Je ne te ferai aucun mal. Une nymphe. Est-ce que tu vis ici ? J'adore. D'habitude, les nymphes, c'est assez parlé. Hein, donc, c'est pour ça que c'est un peu bizarre leur truc là. Ouais. Donc, je voulais savoir à quelle heure j'en étais. Ah, j'adore parler la nymphe. Elle a dit qu'elle veut un endroit agréable pour vivre. Et ne dis rien à la méchante dame des plantes. Ah. H. Et si on trouvait un autre endroit pour cette nymphe? Si on dégageait un joli petit coin, Déméter serait plus tranquille du coup et... elle reprendrait peut-être ses esprits. Est-ce que cela t'irait, petite nymphe? Que je te trouve un endroit plus beau que celui-ci et que tu n'aies plus peur de la vilaine déesse? Parfait, je m'en occupe. Par contre, elle a quand même des grosses paluches par rapport à ici. Hein. Quitter le sanctuaire. Et bon, on va le quitter. Hop. Donc c'est à dire qu'il va falloir que je retourne au sanctuaire ou elle va venir toute seule, la nymphe. Mystère et boule de gomme. On va voir ça après. Ok, ça nous fait ressortir ici. On en trouve dans la partie septentrionale du bosquet de la lutte. Trouver un bosquet convenant à la nymphe. Et ça ici, c'est des métaires, ça, la mistinguette, là, si je me trompe pas. Ah, c'est Poséidon. What? On est où sur la carte? Ouah, mais j'étais pas par là à la base. Bon, bah on va parler à... c'est Poséidon, hein. Oh, hey, oui, c'est Camine. Tu ne sais toujours pas mon nom, n'est-ce pas? Pas du tout. Mais c'est pas grave, puisqu'on connaît tous les deux le mien. Ah, quel imbu de lui-même. C'est très juste. Bon, j'imagine que tu as besoin d'aide. Tu t'en sors vraiment bien. Je comprends pourquoi Phoenix t'a choisi comme championne. Et tu as raison. Quelque part dans ce fouillis végétal, il y a les plus rares des fleurs. Les splendides. Enfin, j'imagine, je n'en ai jamais vu. Les splendides pistils puants. Ok. Pistils puants? Oh, Echo est là. Je croyais qu'elle était sur le mont Citeron. Oui, il faut que tu me trouves les pistils puants. Ce sont les seules fleurs assez rares pour ma fleur rare. Ah ah ah, ça veut essayer de draguer. Mais t'es sûr de vouloir draguer avec des plantes qui puent? Pour ta quoi? Bon, je n'ai pas que ça à faire. C'est qu'on a du travail. Enfin, toi surtout. Pour moi. Allez, en route. Il est vraiment... pénible. Oh, ça tu l'as dit. Mais je n'arrive même pas à lui en vouloir. Ou alors c'est la fatigue. Honnêtement, je n'en sais rien. Elle n'a pas vu, c'est pas vrai. J'aimerais bien ouvrir une boutique de vase un jour. Enfin, tu sais, si je survis à tout ça. Et je serai ta première cliente. Mais je devrais peut-être emprunter auprès d'Hermès. Zeus ne nous donne pas d'argent, tu sais. Ah !
Eh, ça pique un peu les ronces, hein. Ça apprendra à l'espèce de bestiole. Ah. Voilà, merci, touché. C'était pas par là que je voulais aller, mais on m'a agressé, alors bon. Moi je tape, hein. Je n'ai toujours pas trouvé de traces d'Estia. Je ne la vois pas. Peut-être qu'on la trouvera sur l'île suivante. Non, je ne peux pas. Oui, bah oui, je sais que tu peux pas, de toute façon. Ah ouais, et je voulais prendre la grenade, merci. Alors, pour la petite nymphe là, on va essayer de lui trouver un endroit agréable. Dieu, s'il vous plaît, veillez sur moi. Alors, puis-je améliorer... Oui, non, juste l'arc. Et l'arc, ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Oui, après, ça va falloir que je me penche un petit peu pour... Ça, c'est quoi? Ça, c'est... Bien, des buffs temporaires. En fait, c'est l'escalade, hein. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la parade. Ok. Ah, voilà. C'est vrai? C'est vrai que c'est pas mal pour la mistinguette. Ouais. Interagir. Ah, c'est pour les plantes. Erk. Et toi? Ah, je crois que ces créatures fouisseuses ont altéré le bosquet. Je dois les chasser si je veux que la nymphe puisse s'y installer. Bonne nouvelle! Enfin, disons presque. J'ai trouvé quel était le problème de ton jardin. C'est une nymphe qui vit parmi les racines et qui a tout chamboulé. Oh, Dieu soit loué, ce n'est que ça. J'ai cru que je devenais folle, ou que j'avais perdu la main verte. Bon, eh bien, allons récolter une nymphe. Attends, non! Elle veut un endroit où s'installer. Je crois que si je réussis à lui dégager ce bout de terrain, on pourra la faire déménager sans la récolter. Personnellement, je pense que rien ne vaut un bon coup de sécateur sur toutes ces saletés. Mais bon, si tu veux défricher, il va falloir que tu t'occupes de ces horribles fouisseuses. Je suis déjà tombée dessus et j'ai dû les piétiner pour en débarrasser mon jardin. D'ailleurs... ce n'est pas une si mauvaise idée. Voilà. Ceci te permettra de faire sortir ces saletés de leur cachette pour t'en occuper. Maintenant, file. N'en fous pas. Moi, j'ai du travail. J'ai des metteurs, elles me donnent des capacités, c'est déjà bien. Donc ça, c'est nouveau, ça n'existait pas, ça. Alors, maintenez LP... Attends. LB. Non, LB. Non. Ah.
encore un peu. Oh, on crache pas dessus comme ça. Bien, c'est bon, maintenant ici. Ça va le fait qu'il te vise automatiquement, reviens ici toi. Je peux pas les déterrer parce que j'ai pas de stun. Là, je m'en vais, hein. Voilà. Ouf. Quel boulot. Papillons. Bon, enfin c'est pas les papillons, c'est plutôt les comment ça s'appelle les lucioles. Bon, on va voir un peu la corruption où elle est. Je peux grimper sur les champipi. Oui, il grimpe. Ah, récolte, s'il te plaît. Merci. J'en ai besoin. C'est pas vrai, moi j'ai pas vu. J'ai bien tapé du monde, mais à un moment donné, voilà quoi, stop. Alors c'est par là. Il y a un endroit encore où on peut prier pour pouvoir sauvegarder. Et j'entends des mobs sur la gauche. Ça ne m'étonne pas. Dieu. S'il vous plaît, veillez sur moi. Oh, le tout petit bout, quoi. Ah ouais, c'est pas mal le tout petit bout qu'ils nous ont mis. Alors, c'est ici. Bon, on va aller se dépouiller pour enlever tout le rituel avant. Ah mais il y a aussi des manines. C'est dans le poison, toute seule, comme dans le... Ah, je vais m'en débarrasser. Moi de la vie. Voilà. Voilà. Oh, juste devant lui, quoi. Non, mais vraiment, on blague.
surtout donnez-moi plus de vie. Hein. Faut que je saute dessus, c'est ça. Non, ça. Il me faut du feu là aussi. Non mais non mais non les mobs, c'est pas le moment là. Je suis occupée là. Il y a du feu là. Tant plus que j'ai plus d'énergie là. Et si tu pouvais au moins me donner un peu de vie. Purée. Oh purée, un poison. Ça sait faire que ça là en fait. Dis-moi le mob. Je peux pas reprendre un peu de vie. Non mais c'est bon, à un moment donné, je suis plus en conflit. Là. Merci. Ce truc, ils m'ont stalké jusqu'à la fin du monde. Je peux reprendre de la vie. Merci. Toc. Voilà. Bon alors ça... Voilà... Non non, m'avait pas vu, c'est pas vrai. Tu t'en sors bien, championne. Ensuite, essaie d'utiliser l'eau de vie de Déméter. Allez, 2 minutes. Ah, dommage, t'as craché sur ton pote.
dit arrose l'arbre avec l'eau magique de Déméter. Faut que je retourne là-bas quoi. Allez, c'est parti. Ah, c'était trop pour mon dadou. Au moins comme ça, j'ai été plus rapide. Alors. Hop. Voilà. Et voilà. Bravo, Ash. Tu as fini? Parfait. Juste à temps. Je crois que le moment est venu de faire déménager ma petite invitée. Même si cette animation ne m'a pas entièrement déplu. Le nouvel endroit est prêt. C'est un très bon quartier. Les écoles sont bien, on peut se garer facilement, et les voisins sont moins bruyants, tu verras. De rien, oui. Sale petite parasite. Quoi qu'il en soit, Ash, tu as tenu parole. Et plus important encore, je commence à me dire que la situation est grave, sinon cette Athéna ne te viendrait pas en aide. Et si les choses sont dans cet état ici, je me demande bien ce à quoi le monde extérieur peut ressembler. À rien. La situation du monde est catastrophique. On a vraiment besoin de toi et des autres. Bien sûr qu'on a besoin de moi. Je suis la vie et la mort et le champ et la friche. Je suis indispensable. Mais cela fait longtemps que je suis sans nouvelles de ma fille. Je tente de garder le contrôle, mais j'ai perdu ma vision d'ensemble. Et ta vision est importante. Pitié, tu n'as pas idée de la manière dont le monde s'est dégradé sans toi. D'accord. Entendu, je vais rentrer sur l'Olympe. Une tâche m'y attend. Bonne chance, mortel. Puisse tes récoltes être abondantes. Et d'une. Ah, tu as réussi. Déméter va déjà de salle en salle, à tout remettre en place et à crier sans arrêt sur Hermès. Plutôt sur lui que sur moi. Oui. Continue, Ash. Tu fais du bon travail. Alors, donc on a fait ça. C'est sur la carte en fait qu'on peut voir. Donc il y a Posidon qui me demande un truc. Là, il y a qui trouver des olives dorées et en collecter pour allumer le feu pour Estia. En fait, Posidon, mais il est partout en fait. S'arrêter et sentir ta fleur étrange. Je ne dirai pas. Enfin bref, on va aller de ce côté-là plutôt. On va aller voir Estia pour allumer le feu. On va aller ici, là. On va faire une petite prière. Hop. Dieu, s'il vous plaît, veillez sur moi. Voilà. Hop, on prend les figues, ça sert toujours pour... comment ça s'appelle? Pour sauvegarder. Aïe 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 dit. Ah purée, voilà. Les marteaux de toute façon c'est des ennemis, je sais pas, j'arrive pas à esquiver leurs coups. Et faudrait qu'en fait j'esquive derrière eux et pas devant eux. Et de toute façon je les ai jamais aimés, même dans les autres, et ceux qui ressemblaient à ceux qui faisaient les marteaux, je les aimais pas. Bon ça va, je suis juste à côté. Voilà, c'est ça qui est bien. C'est que ça va. Je suis juste à côté, je vais pouvoir aller leur redonner une correction. Voilà.
Oui, oui, t'inquiète, Baby. Wow. Non, non, non. Oh, ils sont honteux quand même, non, mais le jeu. Quoi. Il est quand même mort. Il fait quand même comme ça. Oh mais il y a vraiment tout là. Oh mais il y a des marteaux de partout là. Il y a des chiens. Il y a le cyclope. Ça va là. Non mais vraiment quoi. Ça l'a fait du slip. En plus c'est des bleus. Ah mais c'est quoi ce combat là? Waouh, juste pour un coffre. Non mais vraiment, ils ont pété un câble. Hein. Ah ouais, c'est... Faut qu'il t'envoie des cyclopes, il t'envoie des cerbères. Non mais c'est vraiment la fête du slip là. Psoul. T'arrives à rien dans le jeu. On dirait que t'es une chips à chaque fois. Ça y est, j'ai même pas dit ouf. Ça y est, je me fais déjà attaquer. Voilà, merci. Ok. Le truc il a complètement bugué. Bon, attendez. Parce que j'en ai marre. Non, mais je suis pas en conflit là, c'est bon. Le conflit s'est arrêté. Non, mais c'est une blague. Merci. Je vais voir un peu ce que je peux faire là parce que ça me saoule. Je tombe trompe la mort, oui. Oui, non, ça je m'en fiche jour-nuit de toute façon. Ça, c'est quoi ça Ça, ça peut être pas mal. Mais c'est plutôt... c'est pas la santé que je veux, c'est... Ouais, utiliser les éléments... Ok... ça c'est quoi? Fonction de la puissance des éléments afin d'accroître l'énergie, la santé et les dégâts... Et ça, la concentration d'éléments autour de H permet de contrôler les monstres et de recueillir de l'énergie. C'est pas ça que je voulais faire, c'était donc ça... Et si je peux... Oui. Hop, je m'en équiper et oh, celui-là m'a l'air d'être beaucoup plus puissant en cas d'atteinte. Non, c'est pas ça. Ça, c'est pour l'essence d'air. Ça, c'est en cas d'atteinte, 60% de repousser la cible. En cas d'atteinte, non, c'est pas ça que je veux. Un fragment d'énergie. Voilà, c'est ça que je veux mettre. Celui-là, en hauteur, ça, je le laisse. Et ça, c'est... constitution aussi d'énergie et je voudrais la santé. Ah non, c'est l'énergie. Constituer toute l'énergie. Quoique si je peux en faire plusieurs fois, ça peut être pas mal. Est-ce que j'ai un énergie d'air beaucoup? Non, je n'ai pas mieux que les autres. Alors l'épée. Ok, ça c'est quoi ça? Ouais, alors coup critique, bof. Hein. Voilà, de toute façon, je peux
pas amélioré grand chose. Les dégâts critiques, ça c'est la concentration, et ça c'est... Ah ça par contre... Tac, on va équiper... Ça c'est quoi? En cas d'atteinte, la probabilité de 9% d'infliger 80 points de dégâts toutes les 2 secondes pendant 9 secondes. Derrière, et ça c'est la propriété de reconstitution d'un fragment de santé. Ça c'est... Ok, ouais, hop. Allez, on va retester le coffre. Elle devrait le déterrer l'autre. Oh là là. Voilà, vite 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 magie, vite vite énergie. C'est pareil là. Voilà, c'est clair, on prend de la vie. Ça va mieux, purée. Oh, 15 d'ambre pour améliorer encore plus. Nickel. Alors c'est là-bas qu'il faut que je je dois aller là-bas. Toi. Voilà, Mister, là, c'est bon. Ça va 2 minutes. Ah, ça va le repop là. Ah. Il y a une sirène magique là, un petit. Avec tes vagues là, ça va, tu t'amuses bien là?
le bruit qu'il fait. J'adore le bruit qu'il fait. Ah, elle a couché là. Je n'ai pas de temps à perdre. Bon, si tout reste en ordre, on s'entend bien. Ok. Bah, c'est par là. J'ai une petite requête à ce que je vois à côté. Ah, c'est quoi la requête ? Oh, une nymphe ! Encore ? Ah, je vais te traduire la langue des nymphes. Elle a dit que des gros méchants traquent les nymphes de l'île et qu'elles ont besoin de ton aide. Des gros méchants ? C'est difficile à traduire, mais je pense qu'elle veut dire qu'il y a des monstres méchants par ici. Il n'est pas question que je laisse des gens pas gentils embêter les nains. Je me reconstitue, je peux faire tout le temps ça, c'est ce coup. Aïe. Aïe 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 aïe, ok d'accord, j'ai compris. Wow, c'est quoi le truc là qui saute? Ah, c'est une chimère, j'avais pas remarqué, pardon. Ça vole un peu trop, ça crache un peu trop, je voudrais passer sur cette ennemi, merci beaucoup. Aïe 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 pour la vie, ça va m'aider. Mais t'as pas fait sortir ça? Oh, déjà pas, non. Voilà. J'aille sur le côté gauche, mais quand même trop du cul. Alors là, ici, toi, là, tu m'agaces, hein. Ah, mais qu'à ton tir ? Aïe. Oh, oh, calme ça. Ah, nickel. Oh là là, les 4 conquérants, comment il s'est fait démonter. Allez, c'est parti. C'est pas ces monstres là qui t'enquiquinent ? Allez donc.
Alors, Ash, on a du mal à respirer? L'escalade et les moqueries par une déesse avec des ailes. Eh oui, c'est dur la vie. Par contre, j'aimerais bien aider la Mistinguette là. Parce que c'était pas des mobs qu'il fallait lui... Ah non, d'accord, ok, c'est là-bas. Je me suis tapé les mauvais ennemis. C'est pas grave. J'ai quand même réussi, les Katonkir, je lui ai mis très très cher. C'était extrêmement marrant d'ailleurs. Ah oui, c'est un boss Katonkir carrément. Test, hein. Voilà, il me faut de la vie. Merci. Non, c'est pas toi qui me fera mourir. Pfiouf. Ah, c'est pas fini. C'est bon, je peux respirer? Ah. Mon dada, il revient à moi, t'es l'air de dire c'est bon. La couronne des courants. Ah, ça c'est. Vas-y donc. Des telkni sur les ruines de la falaise. Ok. C'était pas le seul boss qu'il fallait que je me tape là? C'est quoi, je peux... Ah ouais, je peux ramasser aussi. Lumière. Ah, c'est à ramasser comme ça, ok. Oh, ça va me servir à quelque chose, ça. Je peux le ramasser tel quel, le miel. Et je pense que c'est pour plus tard. Dieu, s'il vous plaît, veillez sur moi. Donc c'est pas au bon endroit où il faudrait que je fasse le rituel pour avoir une nouvelle capacité. Par contre je peux prendre vraiment du miel de partout. À quoi il peut servir le miel? Tu peux le casser? Bah non, parce que quand j'ai donné des coups... Ouais non. Ça va me servir à quelque chose, mais quand?
À voir. Eh oh, je demande mon cheval. Merci. Oh, j'ai pas le temps, les enfants. Je suis occupée. Ah. Et encore une autre personne. C'est encore une nymphe qui demande de l'aide. Oh, un autre esprit perdu ? Non, un esprit. Oh, je suis plus en... En combat. Ah, une crypte du Tartare. What? Ça doit être, je pense, ce qu'elle va me demander, la mistinguette. Déméter, bénédiction, miel, jamais donné, mon offrande. Est-ce pour cela qu'elle nous a laissé? J'ai échoué, s'il te plaît, prends le miel. Fantôme de la fête. Eh bien, je t'attends. Oh, j'avais pas vu toi. Demandez où tu étais passé. Je peux pas le prendre, ok. Y'a pas d'autre... Y'a des méchants pas beaux là-bas. Calme les mobs là. Non, il faut que tu entres. Non, non, je me recrache pas dessus là, c'est bon. Mais tu veux me faire vomir dans le bassin. Non, non, c'est bon. Pas envie d'avoir du vomi sur moi. Non. Ok, faut que j'aille chercher. Ouais, voilà, faut que j'aille chercher le cucube là-bas. Faut que je les fasse grimper ici. Qui est un. Je me suis là, merci. Voilà. C'est pas l'arbre que je voulais casser, mais... Il est peut-être caché là. Non. Ah ah, ça y est, je suis pas enfin. Ah voilà, moi je dis. On utilise la... Comment ça s'appelle ?
La faune et la flore, tenue d'été. Attendez, je suis à combien? Ouais, je vais pas tarder. Arrêtez, je voudrais au moins vaincre le méchant, comme il dit. Quoique après, il y a encore les autres. J'avais pas récupéré les fleurs là. Ah non, j'avais pas récupéré les fleurs. Je sais pas combien il faut que j'en trouve, mais... Non, lâche. Ah oui, c'est celui au poison. J'ai rien dit. On est revenu à celui du poison. Ok. Mais purée, je te demande de esquiver là, je te demande pas de rester à l'intérieur. Manque d'énergie. Voilà, donne-moi de l'énergie, vas-y. Purée, il me saute dessus, le trou du cul. Merci. Tiens, va-t'en, là. Purée. Tu me sautes dessus, là, espèce de vache. Donc oui. On était à... Ok, mon tueur indisponible. Ah, ouais. Oh, c'est bon, quoi. Stop, là. J'ai autre chose à faire. L'endroit où je pouvais pas y aller parce que enfin je peux y aller mais je n'ai pas ce qu'il faut. Allez, non. Ah purée, il manque pas grand chose. Ouais non, c'est pire. Pourquoi pour monter? Ah bon, peut-être mieux ici quand même de pouvoir grimper là. Je t'avais déjà allumé, c'est vrai, parce que sinon ça aurait été grisâtre. Hop, viens la poussière. Poussière, hache, hein, vous avez compris. Ceux qui parlent un peu l'anglais. Voilà, pour nous dire... Ah, on a failli que de foncer dans un ennemi avec le cheval, en fait, ça aurait pu faire des dégâts. Non. Oh non, tu me craches pas, tu vois.
Oh, d'où ça m'a arrêté là. Non, non, je vais pas t'entendre ça. En fait, avec lui. Ouais. Le gros méchant, il est par là, c'est ça? Parce qu'il faut que je monte. Attention! Ça va, personnellement, il est pas trop méchant comme boss. Ouais. Le gros méchant spécimen, il a été anéanti. Ça va bien là. Voilà. Je pense que... Alors celui-là, à côté quand même de l'hécatonkir, il s'est fait aimer. Mais alors, ouvert en deux là. L'arc de Telchnin, je suppose. Et pas Telchnin. Parce que ça va être une nue. Fureur de la nature. Poison, puissance héroïque, étourdissement, ascension héroïque, repoussement. Lui c'est puissance héroïque, reconstitution, fin les vagues, vitesse, sprint, réduction de coups. Pour l'instant on va prendre celui-là, mais on verra... un petit peu comment on améliore tout ça. Donc, bien évidemment, il faut que les mobs y reviennent. Mais on va utiliser notre très chère poussière pour retourner là-bas. Parce que moi, je tape personne, là. Je retourne voir la nymphe qui m'a demandé d'aller à 10 000 km, là, juste pour taper le mob, là. Je fais rien d'autre. Voilà, on suit le chemin. Un peu comme dans la musique. Hein. Cherche chemin. Voilà, c'est cherche chemin, mais. Hop, alors attendez, excusez-moi. Voilà, je fais que passer. Excusez-moi. Poussière. Merci. Voilà. Excusez-moi. Voilà, bonjour madame. Il y avait le truc de Poséidon là, non? Non moins. Bonjour. Un truc qui vole là-haut là. Des trucs. Ah non. C'est les mobs qui me cherchent des noises alors qu'ils doivent pas être là. Ah.
Et c'est ça, il y a bien le truc de poser les lignes ici. Voilà. Bah écoutez, on fait une pierre de coups. Hein. Ah, vraiment, sa stamina part tellement vite. Rien de là où je vais, hein, donc je me rapproche parce que je vois. Allez, chambre pipi. Voilà, madame. Avec le contexte. Elle a aussi dit qu'elle t'avait appris à faire un tour de nain. Ah, le nouveau pouvoir. Oui. De quoi pensais-tu que je parlais? Donc elle m'a fait un... Oui, je vois ça, là. C'est quoi? Je vais tester. Voilà, le miel. Miel offert à la déesse donnée pour ses bénédictions, reviennent vers nous. Je crois que l'esprit est parti maintenant. Eh ben, deux trucs en un. Ça c'est fait. C'est pour ça en fait qu'il y avait du miel partout où on pouvait vraiment s'amuser avec là. Eh ben on va s'arrêter là. Je voulais... parce qu'après le truc de Poséidon c'est à l'autre bout. Et après Estia, de toute façon il faut que je retourne là. Donc voilà, c'est pas compliqué. Faut rejoindre un hôtel. Ok. Toc. On va rejoindre un hôtel. Personnellement, je vais pas y aller à... Quoique si, je vais y aller à pattes. Moi, je vais enlever. Voilà, hop. Toc. Ben, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine et je vous fais de gros bisous.